C'est le premier X-Side de Louis et le premier X-Side de Akiko. On n'a pas commencé par un truc facile. Chut. On est dans un quartier résidentiel, il y a beaucoup de gens qui peuvent nous entendre. Il faut qu'on fasse vraiment qu'on soit très discret. En plus, c'est le plein milieu de la journée. Wow, look at this. What? Oh my god. C'est comme si c'était parti hier. On dirait qu'ils viennent juste de partir. Il y a même encore un petit cheval en porcelaine. Pas de poussière. Regarde, il reste des sculptures. Oh putain, puis c'est du vrai en plus, c'est hyper lourd, ça pèse au moins 400 grammes. Il part, il laisse tout quoi. Je vais le remettre exactement à la même place quoi. Regarde celui-là, on va être obligé d'être deux à le porter parce que c'est trop lourd, c'est trop lourd. Well, don't drop it. There's no fridge. Un fridge. Y a pas de frigo. Les mecs ils ont pris les frigos quoi. Les mecs ils ont laissé. Ils ont laissé des statues qui valent aller des 50 000 euros chacune. Facile. Et ils ont pris le frigo quoi. Alors que c'était un vieux Toshiba pourri. Y a des armes. Ils ont laissé des armes. Forgées à la main, ça coûte extrêmement cher. Chut. Chut. Il reste encore un petit peu de liquide. On va voir ce qu'il y a dedans. Attends. Are you okay? Fuck. Le tatami en fait c'est le plus piégeux en fait, le plus tricky. Parce que ça se trouve en dessous il y a des trous, tu vois, il faut vraiment faire très attention. Par exemple, si on saute tous les trois, à la maison elle pourrait s'effondrer entièrement, donc ne faites jamais ça. Oh my god. Ooh. What is this? C'est de la drogue, c'était un atelier clandestin de quelque chose. Parce qu'on n'aurait pas mis les pieds. Je sais pas si on n'a pas été un peu trop loin là. C'est disgusting. Yeah. Oh, ça c'est chaud ça. Ça c'est de l'emballage thermique ça. Qu'est-ce qu'ils faisaient avec ça? Oh la qualité. What? Quoi. C'est ouf quoi. Comme quoi c'est de la qualité hein. Still working. Et le rose? Est-ce que le rose il fonctionne aussi? Vérifie les deux. Oh putain. Waouh. Comment c'est trop bien. J'aimerais trop ramener des trucs à la maison. On peut pas, il faut laisser tout en état, mais quand même. Why would you leave this here? I mean, you know? What is this? C'était bien un truc clandestin, ça c'est des trucs pour jouer au mahjong. C'est illégal ça. Do you think he died, the guy who lived here? Je sais pas, mais ça sent vraiment un truc qui a été genre lié au Yakuza, c'est pas possible quoi. Oh, it's so dusty. Huh? Tinko. Oh, Benoît. What? What? Akiko, elle a trouvé un coffre, elle a réussi à l'ouvrir. Il y a quelque chose dedans. C'est ouf. Attends. C'est plein. Real gold. Ça, et en plus c'est un symbole, c'est les triades chinoises ça non? C'est pas possible, tu vas pas me dire que c'est pas louche. Et en plus elles sont toutes collées ensemble. On va au deuxième étage, Akiko commence à avoir très peur, ça va? Ok, ça va, elle assure. Qu'est-ce que c'est que cette pièce? Il y a une petite pièce dérobée. Sébastien, je vais l'ouvrir vite parce que je sens qu'il y a un cadavre, ça sent bizarre là-dedans. Wow. It looks so new. Avec un miroir et tout, t'as vu? C'était une éponge. On monte. On monte.
Seb, fais attention à où tu marches. Hein. Yeah. Faut pas marcher au milieu des escaliers, faut marcher sur le côté. Parce qu'au milieu, c'est la partie la plus faible des marches. Il a trouvé quelque chose, il y a quelque chose en haut. Dépêche-toi. Fais attention, doucement, mais dépêche-toi. Regarde, on a touché à rien, c'était comme ça. C'était comme ça quand on est arrivé, regarde-moi ça. What the fuck? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça veut dire? On n'a jamais vu ça. On en a vu, on a vu Fukushima, on a vu Aokigahara là, on a vu des îles abandonnées, on en a vu des trucs. Mais ça, on n'a jamais vu. Hein. Ça, c'est dingue. Did you hear that? Attends, attends. Ben non! Chut, chut. C'était en bas? C'est peut-être le parquet. J'ai trouvé un truc, mais dingue quoi. Regarde. On dirait une boîte à jeu normale, mais regarde. Ça va trouver un calendrier. Hein? T'as trouvé un calendrier? Oui. 2009. Ah, on a tout de suite. Quoi ça? Oh, Yine. C'est... Alors ça par contre c'est une vraie découverte les enfants. C'est un set de Mahjong qui est complet. Et c'est... on en a un à la maison aussi. Hein. C'est vachement vieux et ça se fait plus. Oula, c'est comme ça qu'on met le feu à une maison. C'est avec du bambou derrière. Et ça c'est, de... c'est vraiment de l'os. C'est de l'os de quoi? Nani des... Non, non, prenez. Ah, c'est la... Ivory. L'ivoire. That's c'est de ivory. C'est de l'ivoire. C'est totalement illégal. Ouais, mais ça, ça date d'il y a au moins 50 ans. Enfin, c'est hyper vieux. Garde-moi ça. Pourquoi il y a le portrait de Sébastien dans la maison? Why? Why is it here? Regarde. Tu vois ça? Et regarde, il collectionnait les pots de café vides. T'as vu? Mais regarde, Sébastien. T'as déjà vu? Wow, those. On voit que c'est vieux. Hein. So dangerous. Oh, attention, hein, fais attention à ce qu'on a. C'est des statues like, papou. Like Mayan, Inca, something or something, right? Yeah. Cette pièce, c'est une des plus belles pièces qu'on ait jamais vues. I think so too. Forget the Royal Hotel, forget Fukushima, this is yeah. Much better here. Oh, it's crazy here. What is this? I don't know. Do you think it's a bat, like? No, there's no. Something inside, like. What the fuck? J'ai trouvé une vieille photo de la maison. This is how it looked like here before, yeah, right? Yeah, but from outside it looks just like this. Yeah. So we don't have this tree anymore, I think. No. Yeah. The water is gone. What? Wow, it's still working! Fuck, il y a encore les batteries dedans, c'est incroyable! Yeah, right? Qu'est-ce que c'est que ce prix? Oh putain, c'est lui ça. Wow! What the fuck? What? Regarde! Mon vieux. Lui. Tire là-dessus, tiens. Vas-y. Encore. Ça fait bien 5 mètres. Ah mais tu crois qu'il dormait là? Wow, someone was sleeping here. You know, caché like, comme ça, yeah. T'imagines. Et ça, c'était des enfants vu la taille quoi. Et ouais, mais c'est ça, hein. C'est ça. Et regarde, je suis sûr qu'on peut en mettre encore un là. Regarde, encore des couvertures. What is it, like human trafficking? What? Regarde des timbres. 1956. Imagine si on était là de nuit quoi en plus. Voilà. Ouais. Regarde. Wow, how many pictures? Regarde la taille de cet arbre. Que fait qu'on en a jeune? C'est 1970. Cette photo date de 1970. Je sais pas si vous vous rendez compte, 1970, et on est en 2018, hein, je me rappelle. Oh non, original, c'est marqué original, quoi. Regarde-moi ça, il savait même plus quoi faire des trucs de valeur, ouais. Il les entassait dans des boîtes comme ça. Waouh, c'est antique. Ok. Oh. C'est encore plein. Oh, putain. Look at the color of this. Et t'as vu, hein? Il y a du sucre et tout, on a vu aucun rat, aucun animal. Hein. Ouais. Genre, yeah. C'est comme s'il y avait un champ de force autour de la maison qui empêchait n'importe qui de rentrer à part nous. On va ramener le frigo et puis.
à assimiler tout ça, c'est pas facile. À analyser, on va prendre le temps d'en discuter avec Akiko, avec lui, avec Seb. Savoir ce qu'on fait aussi à propos de tout ce qu'on a trouvé et tout, quoi, ouais. Parce que là c'est chaud. C'est chaud. I made it safe back. Bon, vous ne l'avez peut-être pas compris, mais oui, c'est un vrai Aikyo, mais c'est notre Aikyo. On l'a acheté, on a signé les papiers il y a une heure. C'est le terrain d'à côté en fait qu'on a racheté et il y avait une maison dessus. On s'est amusé, c'est à nous, ça va être détruit demain. Il y a quelqu'un qui vivait dedans encore jusqu'à il y a quelques jours. Quoi. C'est pour ça que tu as pu prendre les objets, ce n'est pas. Oui, 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 c'est pris les objets parce qu'en fait ça m'appartient. C'est ma maison. Je voulais en profiter. Donc si Japon s'agrandit, ça va être rasé demain. Enfin demain, à partir de demain. Fin de vidéo. Abonnez-vous. 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 Ça c'est là depuis au moins 24-48 heures. C'est... Oh, this is funny. Ça c'est de l'écriture western, Amérique western. Sûrement durant la colonisation. De rien, ça fait une demi-heure qu'on n'avait pas de monde. Regarde, c'est plein. Waouh. Plein, c'est de la litière pour éléphant. Regarde-moi ça. T'as vu? C'est chaud. C'est chaud, hein. Regarde. Sorry. Sorry. Right. T'as trouvé ça et moi, comme par hasard, je trouve des clous. 2009. Putain, il s'était... Il ils ont jamais fait le ménage.